Le président Roch Kaboré du Faso a procédé à un remaniement ministériel mercredi en fin de soirée. Contrairement au gouvernement du 20 février 2017 qui comptait 33 membres, celui du 31 janvier, dont lecture a été faite aux environs de 22h à la télévision nationale, compte 32 membres. Le Premier ministre Paul Kabatieba III a été maintenu, mais 9 ministres font leur entrée, 7 ministres conservent leur poste et le reste n'a été qu'un jeu de chaises musicales. Le fait marquant dans le jeu de chaises musicales, c'est le ministère de la Sécurité d'où part Simon Compaoré pour devenir ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Son portefeuille à la sécurité est désormais porté par Clément Sawedogo, ancien ministre de la fonction publique. Pour les entrants, Paul Robert Tiendré-Béogo entre dans un département créé par le même décret, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Les autres départements ministériels qui seront gérés par de nouveaux hommes sont entre autres, l'énergie où le député Bachir Ismaël Ouédraogo prend les rênes, l'éducation, la fonction publique, les transports, la justice et les sports. Ce nouveau gouvernement est le troisième formé par Roch Marc Christian Kaboré, depuis son accession au pouvoir en 2015.